Paris-Bayeux en auto. C'est la République en route. Muriel Pénicaud est à l'heure et toujours souriante. Souriante et compétente, elle est connue pour ça. Elle fait le job. Le travail, c'est sa spécialité depuis toujours. Il y avait un petit comité d'accueil, là, madame la ministre, quand vous êtes arrivée. Moi, le comité d'accueil qui m'intéresse, c'est le jour que je suis venue voir. Ce qu'elle rencontre, dans un premier temps, c'est un petit parterre d'officiels. Le comité en question, c'est une poignée de cheminots en colère mais pas en grève ce jeudi soir, dans l'attente de renforts bloqués en gare de Caen. Clairement, il y a une dynamique. Aujourd'hui, on est sur un taux de création d'emplois meilleur qu'avant la crise. L'élément nouveau, tout va bien, tout va mieux. C'est ce que dira la ministre, forte de cette année d'action et de déblocage de la société. Fin de la première mi-temps, tandis que dehors, ça s'agite un peu plus. Les camarades sont arrivés, mais ils seront facilement tenus à distance par les forces de l'ordre. Dans cette nouvelle salle des fêtes de Bayeux, érigée sur d'anciens terrains de la SNCF, l'exercice de l'État se poursuivra sans encombre et sans que l'on entende siffler les trains qui passent à côté. Mission accomplie donc pour Muriel Pénicaud qui aura au passage rappelé ses attaches pour cette belle région qu'elle connaît bien. Et je vous donne une petite confidence, j'ai habité 5 ans dans le Calvados. Ma fille est née et elle s'appelle Mathilde. Voilà. Donc j'ai l'impression d'être un peu chez moi. Chez moi et surtout au plus près de vous. C'était ça le message. Est-il passé? Est-il sur les rails? Rendez-vous sans doute pour l'opération. 2 ans d'action. Une activité très diversifiée.